Bien, bonsoir à tous. Pour les personnes qui ont écrit, qui n'aiment pas la musique, puis qui veulent des nouvelles, puis ça presse, ben je vous réponds, allez vous faire foutre, puis levez-vous le cul, puis venez au palais de justice quand vous êtes si pressé que ça. Écoutez le message de la toune, puis vous allez peut-être saisir ce qui se passe devant les palais de justice. Je tiens premièrement à remercier toutes les personnes qui ont bravé la route ce matin, qui sont venus assister à l'audience, le procès, dans le fond, que j'avais avec le barreau du Québec aujourd'hui, qui n'est pas terminé, qui se continue demain matin. Et demain matin, il va y avoir des petites surprises. De la manière que ça s'est passé aujourd'hui, j'avais une défense de bien préparée, bien montée, des jurisprudences que j'ai créées. Je savais que j'aurais beaucoup d'objections qui seraient soulevées par Claude Gélé-Duc. Par contre, très peu de ces objections ont passé. Je savais que le juge, depuis le départ, serait partial. Donc, j'avais deux options pour procéder aujourd'hui, qui étaient soit suivre mon plan de match, que je voulais établir. Je sais que je n'étais pas en appel pour le jugement du juge Dubois. Mais je le sais, j'ai un droit d'appel, même si le premier coup, la cour d'appel a refusé, un juge Ruel avait refusé mon droit d'appel. Je le sais que je peux le ramener hors délai parce que j'ai une preuve nouvelle à soumettre et j'avais soumis une jurisprudence de Yves Colosse-Plamondon qui, après 27 ans, a fourni des preuves qui n'avaient pas été entendues au procès et il a été acquitté. Donc, selon la jurisprudence de Plamondon, j'ai plus de 27 ans. Donc, j'attendrai pas 27 ans, je vais déposer un autre avis d'appel avec les audios là, mais aujourd'hui, les avocats ont été avisés qu'il y aurait des poursuites civiles d'entreprise contre eux. Donc, moi, j'avais préparé une défense. Ma première partie, c'est un procès-verbal qui prouve qu'il y a eu un. Avant, pendant le procès qu'il y a eu cet été, là, que Storm Alliance était venu assister, ben, il y avait eu un protocole d'instance de signer avec le procureur général du Québec. Et le barreau du Québec, autorisé et validé, accepté par le juge Colin. On avait enfreint un de mes témoins, Denis Urtubise. Donc, j'ai fourni ça dans ma preuve 1. C'était le procès-verbal qui avait un protocole d'instance. Dans preuve 2, c'était une déclaration sous serment d'un avocat qui a commis des parjures. Ensuite, c'était suivi d'une poursuite criminelle privée contre l'avocat en question, qui a toujours pas été entendu, parce que sûrement ils ont mis ça sur ses tablettes, sinon c'est dans le brouilleur, donc demain ça va être remis devant le tribunal avec un numéro de dossier. Ma preuve numéro 3, c'était une déclaration assermentée empreinte de mensonge, parce que j'ai une clé USB avec un audio, puis j'ai un témoin qui avait été refusé malgré un protocole d'instance. Donc mon but, c'était prouver. Pas que je voulais refaire le procès, je voulais juste prouver que j'avais toujours un droit d'appel parce que le barreau du Québec avait soulevé que j'avais des appels qui avaient été rejetés. Par magouille, évidemment, moi je le sais. Mais maintenant, avec l'audio que j'ai, aucun juge de la cour d'appel peut me refuser un appel. C'est une preuve, il y a des jurisprudences que j'ai déposées concernant mon droit d'appel. Donc, le juge a refusé ma clé USB. Il ne voulait pas entendre le témoignage de Denis Urtubise aujourd'hui. Et vu que j'insistais à vouloir faire une preuve, parce que j'étais sûr à 100%, moi, que le barreau ont essayé de glisser des jugements comme quoi que j'avais plus le droit d'appel, que j'étais vraiment un esti d'entêté. Ça fait que je voulais mettre l'emphase que j'avais le droit à une pleine défense pleine et entière pour prouver que j'avais un droit d'appel. Parce que je veux pas me ramasser avec un autre jugement faussé que j'ai pas pu établir la preuve, parce que j'ai un jugement de la cour d'appel que j'ai gagné en novembre, qui explique comment un juge doit se comporter, et avant de dire qu'une preuve est illégale, de l'écouter. Et j'ai confronté le juge à quelques occasions, il a pas aimé ça, mais je l'ai confronté, puis je lui ai dit qu'il enfreignait ce que la cour d'appel a déclaré, que moi, en partant là, je sais à 100% que le jugement, il va être défavorable quand il va le rendre. Mais laissez-moi finir, parce qu'il n'y en aura pas de jugement dans ce dossier-là pour l'instant. Vous allez comprendre. Ça fait que moi, mon but, c'était vraiment de faire un entonnoir pour pouvoir que tout se prouve que le juge enfreignait
Le code, parce que je le savais que dans le plaidoirie, j'étais sûr à 100% que l'amateur Claude Gilleduc était pour parler de des choses que j'ai pas pu me défendre. J'étais sûr de mon coup. Puis leurs preuves qu'ils ont déposées, puis c'est une vidéo que j'ai tournée concernant des arrestations citoyennes qu'on peut faire dans des manifestations, qu'on peut faire quand on a des preuves de corrompus, mais contre les antifas. Et il y a une personne que j'ai fait témoigner, Mario Miller, de la Meute. Il a témoigné parce que il a pu assister, il a écouté la vidéo, mais c'est un gars qui est témoin d'une manifestation. Et la vidéo concerne vraiment des droits d'arrestation citoyenne, dont j'ai créé une jurisprudence et dont le juge a refusé, dans mon dépôt de preuve, d'écouter les disques, que ce n'était pas une idéologie concernant des arrestations citoyennes, mais c'était, ça a été ma défense tout le long du procès que j'ai gagné devant le jury. Et j'avais été acquitté avec une défense de ça, donc j'ai pas été acquitté sous d'autres défenses. Parce que j'allais arrêter des avocats puis des juges, j'étais en préparation de faire ça concernant des personnes qui sont impliquées dans un réseau d'enlèvement d'enfants. Et aujourd'hui, quand Mario a entendu la vidéo, on a trouvé ça de valeur de voir que personne, à part lui et moi, puis une autre personne qui est membre de Storm Alliance, et non, peut-être deux personnes d'autres de la meute, mais c'est une vidéo qui a été tournée pour qu'on fasse des manifestations pacifiques, plus de style d'antifa dans nos pattes. Et je comprends pas que les groupes sont pas là pour faire valoir leurs droits. Mario a trouvé ça de valeur. Il dit, j'en reviens pas. Il dit, c'est une vidéo, dans le fond, pour les groupes identitaires. Je dis, ouais, exactement. Qui concerne les arrestations civiles d'antifa. Comme le gros Aymon qui a fait. Puis j'avais enfreint aucune ordonnance de la cour parce que c'était pas un avis judiciaire que je donnais. Je lisais des textes de droit. Donc, je vais continuer dans mes preuves. J'ai fourni après ça en preuve que j'avais vraiment intimé un témoin de Denis Tubéis qui m'avait autorisé de faire des travaux judiciaires. J'ai fourni la preuve qui était assignée par l'huissier. Que l'argent m'a été revenu parce que finalement le juge avait refusé la veille de faire entendre mon témoin. Puis bizarrement, dans le jugement, ils disent que personne que j'ai pas réussi à faire la preuve que j'avais le droit, mais j'ai fourni en preuve son papier, ordonnance de travaux communautaires que j'avais faite à l'époque, signé par lui, selon entente avec les parties. Point numéro 6, j'avais déposé une confirmation que j'avais faite, une attestation qui confirmait que je les avais faites, des travaux communautaires dans le dossier d'une femme, Gina Laporte, qui avait fait 54 jours de prison pour un rêve. Elle avait obtenu un arrêt des procédures. Bien, j'ai fourni la preuve que ça avait été autorisé. Et ma clé USB, je vais vous faire jouer l'audio. Je vais enlever l'écran, puis je vais vous faire jouer l'audio pour ceux qui ne l'ont pas entendu. Mais cet audio-là, ça ne sera pas bien long. L'audio que j'ai à vous faire jouer confirme que j'ai été autorisé par une personne en autorité parce que le Denis Urtubise en question, l'agent de probation à l'époque, étant donné qu'il n'a pas voulu, pas qu'il n'a pas voulu, excusez, il voulait venir témoigner, mais étant donné que le juge avait refusé son témoignage, ça c'était arrangé avec le barreau, c'est sûr et certain, c'est un ancien agent de probation retraité, puis il n'a pas témoigné, mais moi je l'ai rappelé à quelques occasions, puis j'avais demandé de me faire une lettre assermentée, une déclaration assermentée, que je puisse valoir, faire valoir au pénal pour pas que j'aie un jugement contre moi. Et il avait refusé. Donc, on a essayé de m'extorquer de l'argent parce que monsieur est pas venu témoigner au début à cause du juge et la magouille du barreau qui est impliqué, puis que le procureur général du Québec s'était fermé les yeux. Mais je l'ai appelé, puis je l'ai mis en mise en demeure, puis j'ai déposé l'audio que vous allez entendre, que monsieur Tubise deux fois il confirme et qui va venir témoigner pour le ministère de la Sécurité publique. Donc, il y a eu une mise en demeure. Je le poursuis, lui et le ministère de la Sécurité publique. Et la poursuite va être déposée vraiment dans pas long. Puis, c'est une poursuite pour 134 000, en tout cas, exact. Là, j'ai pas le montant, ça. Moi, vous la trouvez, ça sera pas bien long. C'est une mise en demeure que j'ai envoyée. Puis là, ben, les tribunaux le savent. Le barreau du Québec le savent.
je lui réclame 161 340. Et là, ils n'ont pas répondu. Ça fait que je suis dans le délai pour le dépôt. Faut juste que je le fasse. Que je vais faire la requête. Mais je vais faire jouer l'audio que le juge a refusé dans mon dépôt de preuve. Oui, allô? Bonjour, M. Soubise. Oui. Mario Roy, ça va bien? Oui. Je m'excuse de vous déranger. J'ai reçu un jugement dernièrement. Disant que vous n'aviez jamais autorisé à faire mes travaux communautaires. Puis, Ouais, là, je t'arrête tout de suite, là. Ouais. Je t'appelle plus jamais. Non, ça, c'est sûr, je t'appelle plus jamais. Je te mets en demeure. Tu me dois 161 380 parce que là, j'ai le ministère de la Justice qui vient me faire des saisies, là. T'es en demeure, je vais t'envoyer ça par huissier. T'es sûr et certain, t'as refusé un courrier, là, de te recommander. T'es sûr et certain, je vais te poursuivre. T'as pas voulu me faire une déclaration assermentée. C'est sûr, moi, si t'as beau te sauver, je vais l'afficher publiquement dans le Journal de Montréal, puis je vais te faire une déclaration. T'as pas voulu me faire une déclaration assermentée, c'est ma famille là, qui va passer pour ça, là. T'avais sa approbation, c'est pas moi qui travaillais pour ça. Non, j'ai un papier que c'est toi qui l'as signé. Denis Urtubise, selon entente avec l'INDEF, tu t'en rappelles? Et Gina Laporte a témoigné. Gina Laporte était là. Je t'ai demandé une déclaration assermentée pour que je sois libre de ça. T'as pas voulu me la faire. Là, je vais te réclamer, je te réclame officiellement, là, 160, j'envoie ça au ministère de la Sécurité publique, ministère de la Justice, j'ai rencontré Sonia Lebel la semaine dernière. Que là, il va falloir qu'on fasse une lumière là-dessus, là, au lieu de vous défiler puis pas vous rappeler. Moi, je veux juste mettre un terme à tout ça. Puis là, on me poursuit puis on essaie de me baïonner puis j'enquête sur un réseau d'enlèvement d'enfants. T'adresses pas à bonne personne? Ben oui, parce que le papier, là, c'est toi qui l'as autorisé par le juge Bellumeur. Ben oui, je vais y aller pour le ministère. Non, mais ben, c'est pas juste pour le ministère, là, parce que le papier, c'est toi. Puis suite à ça, le juge Bellumeur m'a encouragé à continuer. Puis Chris, j'ai parti l'organisme pour ça. Puis là, on veut me baïonner parce que j'ai pogné le jackpot. Il y en a une trentaine qui sont coupables présentement, là. Moi, je te demande de plus communiquer avec moi. Adresse-toi au ministère, puis... Non, c'est pas au ministère que je vais m'appeler. Non, la lettre va aller directement chez vous parce que t'avais juste à me faire une déclaration assermentée. Pis là, moi, je mettrai pas ma famille dans la rue parce que t'as un devoir civil envers moi, là. T'as un devoir de dire la vérité devant la cour. Je t'ai demandé de le faire sur papier, t'as pas voulu. Non, c'est pas... Regarde, moi, je t'ai demandé de t'adresser au ministère parce que je travaillais pour eux. C'est tout ce que je te demande. Et eux autres, y aviseront. Je suis déjà allé à la cour, moi, pour un ancien collègue. Non, c'est pas question d'ancien collègue, là. Là, moi, là... Il y a Dessureau, Mathieu Dessureau, après vous, qui a carrément menti à court en disant que l'organisme n'est pas l'INDEF, mais le Campignel n'était pas crédité alors que c'est faux. Il y a des personnes qui protègent des avocats présentement. C'est pas du harcèlement, je demande rien que tu fasses ton devoir civil. Ton devoir civil, là, c'est quand une personne là commet. Tomé, j'ai le papier avec ton écriture dessus. Regarde, moi, j'ai pas de problème. J'envoyerai ma montée à Saint-Jérôme, je vais envoyer l'huissier encore. Parfait. Le courrier recommandé est revenu. J'ai envoyé un courrier recommandé qui n'a pas été accepté. Je vais l'envoyer par huissier. Pas de problème. Bonne journée. Salut. Donc, aujourd'hui, le juge a refusé que je fasse... Que je fasse ce dépôt de preuve-là. Par contre, je vais vous revenir là-dessus, ça sera pas bien long. Que j'ai déposé aussi, j'ai voulu déposer parce que j'étais sûr et certain que dans les plaidoiries, que Claude G. Leduc, si je parvenais pas à établir que j'avais vécu une expérience personnelle concernant des arrestations citoyennes, je savais à 100% qu'il s'en servirait dans le plaidoirie. Ça fait que j'avais amené les trois disques sténographiques du procès que j'ai gagné à Montréal, l'intégrale au complet, toute ma défense, les accusations qui pesaient contre moi, témoignages d'une enquêteur. Bref, j'ai gagné mon procès devant le jury et toute ma défense est dedans concernant les arrestations citoyennes d'un réseau d'enlèvement d'enfants. Le juge n'en a pas voulu. Mais par contre,
dans le plaidoirie, comme j'avais déjà, je savais, parce que l'expérience que je commence à avoir, je savais que Claude Gilleduc était pour en parler dans son plaidoirie. Que dans ma vidéo, j'avais pas parlé d'expérience personnelle, puis que en plus, je me prenais pour un avocat, là. Ça virait à ça que c'était. Je laissais sous-entendre que j'étais un avocat. Ça prend un imbécile de regarder mes vidéos pour penser que j'étais un avocat. Faut être vraiment con. Puis quand j'ai voulu faire témoigner des gens dans la salle qui ont écouté le vidéo, le juge a refusé, disant que les gens, leur opinion sur la vidéo, le public, une personne n'est pas le public, même si on fait partie du public. Bref, il y a eu de la magouille. Puis quand est arrivé les plaidoiries, normalement, le procès est pratiquement terminé. La preuve est close. Moi, ma preuve, elle n'a pas pu se faire. Par contre, ils ont tous les documents. Ils les ont en leur possession. Et étant donné que le juge ne voulait pas en parler, il m'avait même menacé que si je continuais à vouloir établir que le jugement était magouillé de Dubois, il m'avait dit qu'il couperait. Il m'a menacé de mettre clos mon témoignage et de sauter au plaidoyer direct. Mais je lui ai réservé une petite surprise au plaidoyer. Parce que là, le barreau du Québec, évidemment, ils ont déposé des jurisprudences qui n'ont aucun rapport avec ma situation. En sachant que j'avais droit de faire ce que je fais là, ça fait que moi, quand il est venu le temps de débuter mon plaidoyer, avant que ça commence, Mario Miller était venu me rencontrer parce que Claude Gilleduc a déformé son témoignage. M. Miller voulait revenir dans le box pour dire qu'il n'acceptait pas ça. Ce que lui a dit à la cour a été déformé par l'avocat qui représente le barreau du Québec, la honte du Québec. Ça fait que le juge a refusé que Mario revienne dans le box. Il voulait que moi j'interprète, que je dise ce que j'avais retenu, alors que j'aurais pu manquer des bouts. Là. Il s'en est dit des choses dans la journée. Ça fait que j'ai voulu déposer mes autorités. Le juge m'avait menacé si je continuais, il se levait et qu'il s'en allait. Il m'avait dit ça le matin, l'avant-midi, avant qu'on ait dîné. Et ce soir, avant de partir, quand on était dans le plaidoyer, c'était pas fini. On aurait pu terminer ça ce soir, mais je savais que le juge était partial. J'ai dit que je déposais ma preuve 7 et 9 en autorité, étant donné que c'était des jurisprudences. Le juge, frustré, se lève debout, sort de la salle, puis remet ça demain matin 9h30 en me disant « Repartez pas sur ce côté-là. » Quelque chose comme ça. Ben, j'ai des petites nouvelles. Tantôt, je vais préparer une requête en récusation, étant donné que le procès n'est pas terminé, que le juge est partial. J'ai une crainte raisonnable de ne pas avoir un procès juste et équitable. Je demande sa récusation pour plusieurs motifs. Que donc, demain, ça va être un autre petit débat intéressant. Et les gens qui réalisent pas ce que je fais, là, je t'avais d'arrêter de vous donner des nouvelles. Juste pour voir si vous allez vous lever derrière pour venir assister. Merci énormément aux gens qui se déplacent, qui se sacrifient. Grâce à vous autres, j'ai des témoins de ce qui se passe devant le tribunal. Puis si jamais les gens disent « Asti, c'est corrompu, mais vous faites quoi pour arrêter la corruption? » Qu'est-ce que vous faites? Vous saviez-vous qu'une salle pleine puis un palais de justice plein alentour, ça attire le regard de la population? Ce serait peut-être temps de réfléchir un petit peu. Tu sais, des fois, sacrifier une journée, deux journées dans une vie, c'est quoi pour faire un changement et obtenir un système de justice équitable? J'ai obtenu un procès, un jugement de la Cour d'appel qui a été impeccable. Le 23 novembre 2018, trois juges qui ont tout mon respect. Le juge Martin Vauclair, une dame Roy et une Marcotte, si je ne me trompe pas. En tout cas, je ne l'ai pas devant moi, là, mais... Oui, je pense que je peux le trouver. Vauclair, Marcotte et Roy, exactement. Puis trois juges que j'ai énormément de respect. Que demain, ça se continue la cause. Je ne sais pas comment ça va aller. Dans les jurisprudences et même dans les demandes du barreau du Québec, c'est 1000, ils réclament à ce que j'aie 1000$ d'amende pour moi, 5000$ à l'organisme, fermer ma page Facebook personnelle et l'organisme pour un mois,
Et il s'imagine qu'avec ça, je vais avoir compris. Il essaie de me passer un message de fermer ma gueule. Maintenant, je suis rendu en mode attaque. Pas en attaque physique, mais en attaque de poursuite. Que maintenant, moi j'ai compris qu'il faut que je les poursuive. J'ai tellement de preuves. Il est temps que je mette ça devant le tribunal pour obtenir les dédommagements. Ils ne pourront pas m'agouiller là-dedans. Déposer des accusations criminelles privées. Mais tout seul, je peux pas. Que les groupes identitaires de 50, 100, 500, 800 personnes, vous manquez une astie de belle occasion, parce que ça, c'est un procès sur la liberté d'expression. Vous préférez aller manifester un samedi devant un parlement vide, que si ça fait juste du blabla sur TVA et Radio-Canada, alors que vous pouvez faire un crise de blabla par TVA et Radio-Canada avec une salle pleine, puis un palais de justice plein. Moi, c'est un des constables spéciaux qui m'a dit que je comprends pas qu'il n'y ait pas 2000 personnes. Il m'a dit ça l'automne passé. Je comprends pas qu'il n'y ait pas 2000 personnes de manifestants qui viennent. Que moi, c'est rendu personnellement, quand je vois ça, que j'entends des personnes qui disent qu'ils militent pour un changement, je vous crois pas. Je vous juge pas, mais je vous crois pas. Vous avez pas réalisé l'ampleur. Aujourd'hui, j'ai vu des personnes qui m'ont appuyé. Pas juste m'appuyer, ils viennent regarder. Et un matin, ils pensaient, il y avait des personnes qui sont venues me voir, et puis ils me disaient, Mario, tu vas te faire, tu sais, le juge est en tabarnak, arrête, arrête. Moi, je le savais, ce que je faisais. Tout est enregistré. Ils vont arrêter de me prendre pour une hostie de cave. Maintenant, j'espère que demain, il va y avoir du monde. Aujourd'hui, il y avait quoi? Quarantaine de personnes, gros max. À l'après-midi, peut-être une vingtaine. Mais par contre, on peut se ramasser 300, 400, 500 stis devant un parlement vide, devant n'importe quel hostie de bâtisse vide. On veut un changement, mais le changement, comprenez que ça se passe devant le tribunal. Puis la corruption, elle commence par enrayer la corruption. Il faut l'enrayer premièrement au palais de justice. Je vous sers ça sur un plateau d'argent. Puis j'ai dit à Eliane Hogg de surveiller ma vidéo ce soir, parce que je sais, elle l'a dit aujourd'hui, elle a témoigné. Il y a une équipe d'enquête du Barreau du Québec qui surveille toutes mes vidéos que je fais. Mais je vais poser une question à ces personnes-là, là, présentement, là. Dormez-vous tranquille en sachant qu'il y a un réseau d'enlèvement fait par votre gang? Dormez-vous tranquille quand il y a un huis clos et il y a des crimes qui se commettent par des parjures, par des travailleurs sociaux qui inventent des histoires, que les parents ont des preuves, que les avocats refusent de déposer des preuves, que des enfants qui se font enlever puis ça nous soutire 1,1 milliard de dollars par année, que des enfants qui se font abuser sexuellement par des hosties de familles d'accueil pourries qui n'ont pas passé aucun test sur la sexualité, aucun test psychologique ou psychiatrique. Qui sont payés jusqu'à 38 000 par année par enfant, qui médicamentent les enfants parce que c'est plus payant puis qui les démolissent psychologiquement. Allez-vous allumer un petit peu? Attendez-vous que ça tombe sur vos enfants? Puis qu'ensuite, Mario, besoin d'aide. Donne l'heure et l'adresse, j'y serai, René. René Lamotte, c'est demain matin 9h30 que ça recommence. Palais de justice de Drummondville, 1680 boulevard Saint-Joseph. Ça fait que le Barreau du Québec, je fais partie du public, et vous avez miné ma confiance depuis 2010. J'ai pas vu un seul avocat, à part quelques-uns qui sont prêts à travailler des dossiers, représenter les parents des dossiers que je peux faire, mais j'ai pas vu un seul avocat se pointer à la face-là. Pourtant, il y en a beaucoup d'avocats qui m'ont dit que la Chambre de la jeunesse, ils veulent pas toucher à ça parce que il y a des crimes qui se passent là. Je suis équipé pour, en preuve de plusieurs dossiers, là, puis des gens qui me demandent de l'aide, je suis équipé en preuve pour démolir le système du Barreau du Québec. Eux le savent. Eliane Hogg, puis Claude Gilleduc à la cour, là, quand ils parlent, ils font des beaux sparages, des beaux astuces speech, mais il n'y en a pas un qui est capable de regarder le public dans les yeux, et ça, c'est le public qui me l'a dit.
ne sont pas capables d'avoir un regard directement dans les yeux puis de le fixer. Moi, quand je les regarde, c'est drôle, je vois des yeux baissés. Maintenant, le fait que vous ne venez pas appuyer ce que je fais pour la population, c'est pas moi. C'est pas Mario Roy. J'ai pas de crise d'égo là-dedans. Je fais des sacrifices pour ma famille ici. J'ai rien à soutirer de ça. Mais quand je vois que les salles sont vides de même, qu'il n'y a pas de monde au palais de justice, j'ai même plus le goût de continuer. Jamais je vais plier devant eux autres. Mais j'ai juste le goût d'abandonner. Pas parce que je vais arrêter. Je vais aller chercher mes jurisprudences. Je vais aller les gagner mes causes jusqu'au bout. Mais pourquoi je continuerais quand j'ai pas d'appui, tabarnak? J'aime ça, manifester, moi. Je prête en faire des estis de manif les samedis, les dimanches. Les samedis, j'ai ma fille, mais les fois que je peux. Mais Chris, quand on a la chance d'avoir un impact solide, Chris, le bateau, il est manqué en hostie. C'est un procès à la liberté d'expression. Il y en a plusieurs qui le font. Dion, il en fait un. Il dit sa liberté d'expression. Ça dépend comment qu'on s'exprime. Moi, on essaye de me colisser des amendes et de me mettre en prison parce que j'ai lu le texte de droit sur les arrestations de corrompus puis j'ai créé jurisprudence. J'ai des autorisations de la cour qui ne veulent pas reconnaître. Puis eux sont assez imbéciles qui continuent à me poursuivre et à me poursuivre. Mais tabarnak, j'ai besoin que vous me démontrez de l'intérêt à la cause, pas à moi, là, à la cause que je fais. Vous voulez un changement dans la politique? Vous voulez un changement dans la corruption? Chris, la cause est là contre le barreau. Hein. Est là. Je trouve ça plate. Sérieusement, je trouve ça plate. Parce que il y en a que je réponds même plus sur Facebook tellement qu'on me... Puis j'ai fait un live là-dessus que tant que j'avais pas de soutien, je répondrais pas aux gens qui me demandent de live. Puis j'en reçois encore des dizaines et des dizaines de demandes par semaine. Puis pas juste concernant le DPJ, là, dans d'autres, bien d'autres domaines. Il y a un individu vendredi qui va passer en cours pour essayer d'obtenir une libération conditionnelle avec un malheureux incident qu'il y a eu, que les médias ont tout déformé, parce que je l'ai étudié le dossier, je l'ai enquêté, je passe par-dessus l'enquête indépendante. Corruption encore. Le gars, il essaie de le battre en prison, il n'a jamais eu d'obtenu de libération conditionnelle, et le jugement qui ont refusé cette libération conditionnelle, il est tout magouillé. Il passe à la cour vendredi, révision judiciaire. Bravo à sa conjointe qui a fait énormément de démarches. Foutu beau travail. Vendredi, 9h30, salle 6.02, Sébastien Todor va tenter d'obtenir sa libération. Si le fils a Gaétan Barrette, avec une coupe de verre dans le nez, frappe un cycliste, puis qui se sauve, qui porte pas assistance, puis qui fait un hit and run, puis il s'en va se cacher chez son père. Comment se fait-il qu'il pogne 8 mois de prison à domicile alors qu'un individu qui se fait rentrer dedans par la police, qui dévie sur un autre policier que lui rentre dedans sur une victime, puis qu'il avait un ordre de saisir la poursuite, qui était en moyenne à 40 km, sauf à la dernière limite, parce que le gars, les policiers l'ont pointé avec des armes, puis ils ont pété ses fenêtres à coups de matraque. Parce que la ville de Longueuil y en veut à ce gars-là, parce que c'est le premier citoyen qui a donné un ticket à la police, et que les médias essayent de faire à croire que c'est un free man on the land, alors que c'est complètement faux. Bref, le gars, il va essayer de sortir vendredi, puis bravo à sa conjointe qui a fait un foutu beau travail dans le dossier. Que je vais être présent cette journée-là. Et je l'ai fait pas parce que je suis son ami personnel, c'est une connaissance simplement que j'ai rencontré à cinq occasions parce que je voulais savoir comment est-ce qu'il a fait pour donner des tickets à la police. Mais je l'ai fait parce que j'ai déjà vécu cette situation à deux occasions qu'on a essayé de me mettre en prison 14 ans pour aller procéder à des arrestations de corrompus. Et je me suis représenté seul, j'ai réussi à sortir de prison, j'ai eu une libération conditionnelle, puis j'avais pas d'avocat qui voulait me représenter.
On a essayé par la suite de me remettre en plusieurs années parce qu'on m'a empêché au palais de justice d'aller chercher des documents, que je m'étais battu avec quatre constables. Puis finalement, ben, même si le ministère de la Sécurité publique refusait ma libération, peu importe le montant de la caution, le juge François Beaudoin m'avait permis de sortir. Parce que j'ai expérimenté le désarroi que ça peut faire quand on est incarcéré avec des chaînes aux pieds et menottes au poing pour faire le bien. Lui, je dis pas qu'il a fait le bien, là. Il a enfreint des codes de sécurité routière, j'approuve pas ce qu'il a fait dans sa fuite. Mais par contre, je ne tolère pas les injustices puis qu'on essaye de démolir une personne pour des. Dans le fond, c'est des infractions pénales, code de sécurité routière. Hein? Donc, j'étais son seul espoir dans l'aider avec une autre personne. On m'a demandé de l'aide. J'ai guidé quelqu'un. Et bref, vendredi, on va espérer que monsieur ait justice pour qu'il reprenne confiance dans le système de justice. Parce qu'il existe des juges intègres. Ils ne sont pas tous corrompus. Comme dans les policiers, c'est pas tous des mauvais policiers. Il y a des verras, des traîtres à leur serment d'allégeance. Mais il y en a des bons policiers, puis il y a des bons juges, puis il y a des bons avocats. Mais les bons avocats ne trempent pas dans les dossiers comme le Barreau du Québec. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Puis je sais pas comment ça va se passer demain, mais je vais débouter par une requête en récusation pour le juge. Et en passant, j'ai demandé que Claude G. Leduc témoigne aujourd'hui. Monsieur Leduc était celui qui vive pas à peu près. J'ai pas été avisé, j'aurais fallu que j'appelle un avocat. Pis... Bref, vous avez manqué une vraie belle journée. Que demain, ceux que ça leur tente, je dis pas que ça va durer toute la journée, parce qu'en réalité, c'est mon plaidoyer qui reste à faire. Mais je commence par une requête en récusation. Ça fait que ça va faire un débat, à moins que le juge se récuse tout de suite puis quitte. Mais je vais amener les arguments. Puis, Maître Hogue, bonne soirée. On se revoit dans un prochain tribunal civil pour une poursuite. Je vous avais promis dès le départ. Et le 28, j'ai mon droit de dépôt d'appel encore. Ça fait que le 28, ça va être déposé. On est dû pour se recroiser plusieurs fois à la cour, Maître Hogue. Maître Leduc, ça va être la même affaire. Que sur ce, bonne soirée à tous. Puis, merci pour ceux qui m'ont soutenu. Bye.